On ne lâche pas aller La vision d'un autre cœur, ça la. Pose. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus, ma vie a changé. Pensant que j'avais la vérité, j'avais une famille, un travail, je voyageais et pourtant j'avais pas la paix dans mon cœur. Lorsque j'ai appris que ma fille était atteinte d'une tumeur, à la tête, j'ai vu noir, je me sentais perdue. Et là, j'ai tout jeté, toutes les statues, toutes les images, le chapelet. Je ne croyais plus en rien. J'ai crié, où es-tu Seigneur Je vais à l'église, je prie. Et ma vie est détruite. Si tu existes, où es-tu? Ce jour-là, je, je lui ai même demandé pardon pour mes péchés. Et je me suis endormie en larmes avec des envies suicidaires. Le lendemain matin, n'ayant plus aucune envie de vivre, je roulais à vivre à La radio était en marche, je me suis énervé et je donnais un coup de poing sur la radio. Et la station a changé de fréquence. Elle était maintenant sur la radio vie. Sur cette nouvelle fréquence, on racontait ma vie. J'ai commencé à écouter et j'ai dit, ben, Dieu me connaît. Et là, j'ai compris que j'étais dans l'erreur. Je me suis mise à lire la Bible. À travers sa parole, Dieu a ouvert mes yeux. Comme je connaissais Jean-Hugues, je suis partie le voir et je lui ai demandé de m'emmener là où est Dieu. Mais là, Dieu m'attendait. Il m'a dit de ne pas regarder derrière moi, que ce n'était pas un hasard si j'étais là qu'il avait un plan pour moi et toute ma famille. Au fond de moi, j'avais peur de la réaction de mes parents, mais Dieu m'a délivré de cette peur, de cette crainte. Il a remplacé par la paix la joie. Et là, j'ai découvert que ma fille, la tumeur de ma fille était bénin. Ce jour-là, j'avais vraiment la paix dans mon cœur. Et Dieu m'a montré qu'il était là, que lui, il était présent pour moi. Après, par la suite, j'ai fait plein d'expériences avec le Seigneur. J'étais atteint de trois fibromes, il m'a guéri. Les médecins n'ont pas compris. Et pendant Hack 2015 aussi, j'avais des difficultés à conduire la nuit. Habitant à Piton caillou dans les Hauts de Sainte Marie, j'avais des problèmes de vue. Mais comme j'étais vraiment y aller, Dieu a permis que je conduise sans difficulté, que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Colossiens 3. Verset premier, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Amen. Gloire à Dieu. Il est question ici des choses d'en haut, et nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut au travers de ce verset. Et c'est ce qui m'a qui a attiré vraiment mon attention. Alors que, eh j'étais en prière. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Que cela nous évoque, ce que c'est vraiment l'objet de notre attention, de notre affection, affectionnez vous. Alors, la fin du texte que nous avons lu ici nous parle quand même de l'enjeu capital de notre vie en tant que chrétien, en tant que croyant, puisqu'il est question de paraître avec lui dans la gloire. Et n'oublions pas que si nous marchons sur la terre, si nous vivons, c'est pour quand même paraître avec lui dans la gloire. Nous ne vivons pas pour la terre. Nous ne marchons pas selon les principes du monde. Pourquoi Parce que notre but n'est pas, ce monde pas, ne sont pas les choses de ce monde. Notre but, c'est de paraître avec lui dans la gloire. Pourquoi vivons-nous Pourquoi servons-nous pourquoi marchons-nous, tenons-nous debout envers et contre tout Pourquoi, par la foi, surmontons-nous les difficultés Pourquoi ne nous laissons-nous pas abattre Pourquoi, même si nous sommes à terre, nous nous relevons pour repartir Pourquoi sommes-nous parfois regardés comme les balayures du monde, pointés du doigt Sommes-nous insultés sans répondre Pourquoi acceptons-nous eh la souffrance et le mal et en retour, rendons-nous la bénédiction à notre prochain Pourquoi parce que nous voulons paraître avec lui dans la gloire. Alléluia. Quand Jésus viendra, nous ne voulons pas eh bien, rougir. Nous ne voulons pas eh bien, perdre notre récompense. Et notre récompense, c'est de paraître avec lui dans la gloire. Nous sommes à la fin de toutes choses. Jésus va paraître. Jésus va paraître. Et nous, nous voulons paraître avec lui dans la gloire. Alors, Paul prononce ces paroles eh bien, en conclusion de tout ce qui est dit avant. Ce verset 4 vient en conclusion des trois premiers versets. C'est comme si il disait Consécutivement à cela, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Consécutivement à quoi Si, et voilà la condition, si... Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Alléluia. Quelle espérance. Les deux questions viennent là immédiatement. Quand Christ est-il véritablement notre vie Quand Christ, votre vie paraîtra Quand est-ce que Christ est-il véritablement ma vie Parce que c'est fort de dire Christ est ma vie. C'est beaucoup plus, vous conviendrez avec moi, c'est beaucoup plus que de dire, eh bien moi, je... J'aime Jésus, c'est beaucoup plus que de dire, eh bien, je, je fais des choses pour Jésus, je sers Jésus. Là, il est question, eh bien, de, du fait que Christ est notre vie. Quand Christ, votre vie, il est question de notre vie cachée avec Christ. Et ainsi, quand notre vie est-elle cachée en Christ quand pouvons-nous dire, eh bien moi, ma vie, elle est cachée en Christ Alors, pour simplement voir ces quelques paroles et nous laisser mutuellement un encouragement ce soir. Considérons premièrement Christ tel qu'il est décrit dans ce passage. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Christ nous est dépeint ici comme étant ressuscité et assis à la droite de Dieu. Alléluia. Christ est assis à la droite de Dieu suite à quoi, et eh bien suite à son ascension, nous connaissons tous eh bien ce point important doctrinal des Écritures. Christ est mort, Christ est ressuscité des morts et il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine. Et qu'est-ce que cela implique pour vous et pour moi, frères et sœurs, une grande victoire, une grande bénédiction. Christ assis à la droite de Dieu est pour moi une grande bénédiction. Pourquoi Eh bien, premièrement, la Bible nous dit qu'étant assis à la droite de Dieu, Christ intercède pour nous. Amen. Ce soir, Jésus est-il assis à la droite de Dieu Et qu'est-ce qu'il fait Il intercède pour moi. C'est ce que dit Paul au Romains, chapitre 8, verset 33 à 39. « Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et pourquoi est-ce cité jusqu'au verset 39 Parce que cela nous montre le moteur de cette intercession. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Alléluia et comme nous l'avons vu ce mercredi soir, pourquoi est-ce que Christ œuvre pour nous Pourquoi intercède-t-il pour nous Parce qu'il nous aime. Alléluia Parce qu'il nous aime. Et n'oublie jamais, cher ami, cher frère, chère sœurs, que Jésus t'aime. Jésus nous aime. Et c'est à cause de son amour qu'il y a cette œuvre d'intercession que personne ne peut entraver que personne ne peut altérer. Personne ne peut couper l'intercession de Christ. Son sacrifice, son sang parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Si Jean, dans cette vision de l'Apocalypse, il voit encore Christ dans le ciel, et quelle vision a-t-il J'ai vu comme un agneau immolé. Alléluia. Un agneau immolé. Christ crucifié. Voilà notre intercession. Il intercède pour nous. N'oublions pas que ce sacrifice, c'est la preuve de l'amour de Dieu. La preuve. Et Paul va dire donc Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée Selon qu'il est écrit C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Par celui qui nous a aimés, il intercède pour nous. Car j'ai l'assurance, l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est donc glorieux. Frères, sœurs, ce sacrifice, cette intercession de Christ à notre égard, ce sang qui parle mieux que celui d'Abel, c'est quand même eh bien, la force qui est au-dessus de toute force, la puissance qui détruit toute puissance. Et Paul va dire, mais qui nous accusera, qui peut nous accuser si Jésus nous justifie qui peut nous salir si c'est Jésus qui nous lave Alléluia Qui est eh bien peut nous faire tomber Oui, on va connaître la souffrance, oui, on va connaître la faim, oui, on va connaître les difficultés, oui, on va connaître toutes ces choses, mais nous sommes plus que vainqueurs. Christ intercède pour nous. Alléluia Christ assis à la droite de Dieu intercède pour nous. Christ assis à la droite de Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia Il nous remplit du Saint-Esprit. Voilà ce que signifie aussi son ascension. Élevé, va dire euh, l'apôtre Pierre dans acte 2, verset 33, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et vous l'entendez. Ainsi, le Seigneur est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Souvenez-vous de ces paroles dans eh bien, Jean. Euh, Évangile selon Jean, chapitre 14, 15, 16. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Alléluia. Christ assis à la droite de la majesté divine est celui qui nous baptise du Saint-Esprit. Et celui qui nous remplit du Saint-Esprit. C'est donc une grande victoire. Christ assis à la droite de Dieu, c'est celui qui confirme. Sa parole. C'est ce que Marc va déclarer dans le chapitre 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qu'il l'accompagnaient. Amen. Jésus est celui qui, assis à la droite de Dieu, confirme sa parole au milieu de nous. C'est merveilleux parce que de grandes choses se passent. Oh, on ne, on ne va pas battre les tambours à chaque fois, quoique à mon avis, peut-être qu'il le faudrait, hein, peut-être, mais nous prêchons la parole de Dieu telle qu'elle est. Parfois nous prenons quelques petits exemples, mais s'il fallait tout dire, hein, s'il fallait dire tout ce que Dieu fait au milieu de nous, je crois qu'il faudrait venir tous les jours et toute la journée. Le Seigneur fait de, de si grandes choses. Il confirme sa parole. Après la... le déconfinement, hein, vous savez comme moi que les règles sanitaires nous obligaient à beaucoup de choses, nous restreignaient sur beaucoup de points, entre autres on ne peut plus eh bien, pratiquer l'imposition des mains suivant ce qui est écrit. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris, en mon nom on va dire Jésus. Ça a été pour nous quand même une grande cause de gêne. Hein à chaque réunion, je disais Seigneur, mais il faut qu'on impose les mains, là. Il faut qu'on impose les mains. Mais on ne pouvait pas. Nous sommes en même temps soumis aux autorités. Et ma question était celle-ci. Seigneur, est-ce que toi, tu... Tu peux quand même eh bien, agir, même si nous n'imposons pas les mains. Parfois, vous savez, c'est quand même un cas de conscience. Le Seigneur dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais si on n'impose pas les mains, je me dis Seigneur, peut-être qu'on n'accomplit pas ta volonté comme il le faut. Puis c'est incroyable d'entendre des témoignages de personnes. Je me souviens de cette sœur qui avait dit qu'elle était malade depuis plusieurs jours. Et un dimanche matin, si ma mémoire est bonne, un dimanche matin, on avait fait eh bien, à la fin du culte. Un appel. C'est rare qu'on le fait pendant le culte du dimanche. On avait fait un appel pour tous ceux qui étaient malades, afin que le Seigneur eh bien, les guérisse. Ils s'étaient levés à leur place. Et cette sœur s'était levée, après avoir été malade plusieurs jours. Et quand elle est sortie du culte, elle était guérie. Alléluia. Pourquoi Parce que le Seigneur confirme sa parole. Quand le Seigneur confirme sa parole, il sait toute chose. Quand eh bien on n'a pas la possibilité de faire tout ce qu'il nous demande de faire, ce n'est pas grave pour lui. Nous on fait ce qu'on peut, mais le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Le Seigneur confirme sa parole. Je me souviens eh bien, de ces bien aimés, on, on ne pouvait pas, encore une fois, eh bien, imposer les mains, et vous savez que c'est ce que l'on fait en général lorsqu'on a des soirées sur le thème du baptême dans le Saint Esprit. Là encore, ça me causait un petit cas de conscience. Mais de voir que des bien-aimés, hein, d'entendre, ils venaient nous voir après pour nous dire, vous savez, pasteur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit ce soir-là, c'est merveilleux. Le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Il confirme sa parole. Et cela m'amènera à dire, moi, pasteur, devant le Seigneur, m'amène à dire, Seigneur, je suis peut-être pasteur, mais c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Il est Dieu et il confirme sa parole au milieu de nous. Et c'est merveilleux de voir, je dis Seigneur, c'est bien quand j'impose les mains, mais tu n'as pas besoin de mes mains. Toi-même, tu peux guérir. Toi-même, tu peux baptiser du Saint-Esprit. C'est merveilleux de voir les œuvres que Dieu fait. Pourquoi? Christ assis à la droite de Dieu. Christ assis à la droite de Dieu. C'est pour cela que Paul nous invite à lever nos yeux en haut parce que Christ est assis à la droite de Dieu peut-être pas géographiquement, mais à lever les yeux de nos cœurs vers le ciel, vers le trône de notre Seigneur, afin que l'on contemple celui qui est assis à la droite de la majesté divine, qui intercède pour nous, qui nous baptise du Saint-Esprit et qui œuvre confirmant sa parole. Alléluia. Ainsi, si nous levons nos yeux vers le Seigneur, Paul va dire ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, car Christ est ressuscité, Christ est assis à la droite de Dieu, oui. Il va dire si vous êtes ressuscité avec Christ. Question, suis-je ressuscité avec Christ Suis-je ressuscité avec Christ On pourrait dire... Comme eh bien, Marthe l'avait dit à Jésus dans l'Évangile de Jean au chapitre 11, oui, mais bien sûr, frère, si nous croyons jusqu'au bout, à la fin de toutes choses, nous ressusciterons. Hein Comme cela est promis dans tellement de versets, c'est l'espérance du chrétien. Quand, eh bien, Christ reviendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous irons à leur rencontre. Est-il question de cette, cette résurrection-là, à la fin de toutes choses Non. Puisqu'il est question d'un fait présent. Si donc vous êtes, il n'est pas dit si donc vous serez, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, et la question elle est, je crois qu'elle est légitime et intéressante. Suis-je ressuscité? Est-ce que ce soir je suis ressuscité Et c'est quoi être ressuscité Colossiens 2, c'est le chapitre précédent à ce texte qui va venir éclairer. Colossiens 2 verset 11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite parce qu'il ne s'agit pas de religion bien-aimée. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, voilà notre résurrection. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. amen. voilà la résurrection que nous devons vivre. il y a une résurrection pour nous, une résurrection maintenant, et nous devons la vivre. quelle est cette résurrection? Cette résurrection, cette résurrection, pardon, a pour point de départ la croix. La croix. Car il est bien question du fait d'être ressuscité avec Christ. Eh bien, avant de ressusciter, Christ est mort. Il est mort à la croix. Et c'est ce que Paul va le dire ici. Ayant été enseveli avec lui. Oui, la croix est une victoire. Oui, à la croix. Jésus a effacé nos offenses, il a effacé l'acte qui nous condamnait, comme nous dit ici ce texte. Oui, à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles, c'est-à-dire en en, littéralement en les faisant prisonniers, en les dominant, en les vainquant. Toutes ces choses se sont passées à la croix et nous aimons à les souligner, nous avons raison de le faire. Le diable est vaincu à la croix. Alléluia! Les démons sont vaincus à la croix, c'est ce qui est écrit ici. Toute la puissance des ténèbres est vaincue à la croix, à la croix du calvaire. Et ça, c'est la victoire que Christ a remportée. Nous entrons dans cette victoire si nous ressuscitons avec Christ. Entre guillemets, si cette croix, la croix de Christ, Devient aussi notre passage, devient aussi la nôtre. Nous ne pouvons pas faire ce que Christ a fait, il ne s'agit pas de cela. Nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre que Christ a fait, mais la Bible nous invite à nous identifier à Jésus qui meurt et qui ressuscite. C'est en lui que vous avez été circoncis, pas d'une circoncision de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ. Et c'est quoi la circoncision de Christ ce n'est pas le dépouillement eh d'une partie de notre corps physique, comme le suggéraient les Juifs, mais c'est le dépouillement spirituel de notre vie passée, de notre manière de vivre d'alors. Quand il est parlé du, décou du dépouillement du corps, il est question du dépouillement de la chair. Voilà notre résurrection. Lorsque nous mourons à ce que nous étions, lorsque nous mourons à la chair et à ses principes, car la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, lorsque nous mourons à notre manière de vivre d'alors, et que nous vivons la vie de Christ, nous sommes ressuscités. Alléluia. Suis-je ressuscité avec Christ Pour cela, frères, sœurs, chers amis, il faut venir à la croix, car c'est là où tout commence, c'est là où toutes nos fautes sont effacées, c'est là où notre vie ancienne, eh bien, meurt, c'est à la croix. En la mort de Christ, c'est notre vie passée qui meurt, ce sont nos pulsions d'avant, ce sont nos passions d'avant, c'est ce que nous dictait notre chair qui meurt, alléluia Si ma chair me dicte encore des choses aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort et que donc je ne suis pas encore ressuscité. Si mes passions, si mes pulsions me dictent encore des choses aujourd'hui, c'est que je ne suis pas mort et que je ne vis donc pas une vie de ressuscité. La croix. Si quelqu'un eh est bien encore dicté par sa chair, Frère, sœurs, chers amis, tu peux encore venir à la croix. Là où Christ dépouille ses dominations. Là où Christ dépouille ses autorités. Là où Christ nous dépouille de notre chair. Là où Christ fait de nous de nouvelles créatures. Alléluia. Pour lesquelles les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. C'est là le baptême que nous devons connaître. La question du baptême est eh bien dans ce texte. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Et le baptême d'eau, voyez-vous, c'est ce symbole-là. C'est un symbole. Car en entrant dans l'eau et en étant complètement immergé, et vous savez, quand on fait les réunions pour les candidats au baptême, on leur dit souvent Faites attention, on va vous plonger complètement. Hein. <laughs> complètement. Il ne va pas y avoir un cheveu à l'extérieur de l'eau. <laughs> complètement. Alors on leur dit souvent Vous savez, quand j'avais. Je me rappelle les premières fois où j'ai baptisé des personnes. Il y avait des, des personnes, nous on les on les poussait vers le bas, afin qu'ils plongent dans l'eau, mais ils se retenaient en haut. <laughs> Avez-vous Je ne sais pas de quoi ils avaient peur, mais ils se retenaient en haut. Alors parfois on forçait. Moi j'avais peur de casser les reins. <laughs> et ils se retenaient en haut. Et, et souvent on leur on leur disait du coup, ça m'a servi de leçon dans les instructions de baptême. Je leur disais, ne résistez pas, laissez-vous pousser, rassurez-vous, je vais vous ramener après. N'allez hein. pas et eh bien. Vous noyez normalement, euh, je vais vous ramener après. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Bon, ça c'est dans les faits, bon, c'est une anecdote. Mais spirituellement, ce baptême, je parle bien spirituellement, pas symboliquement, mais spirituellement, ce baptême, eh bien parfois, on y résiste. On y résiste. On a du mal à mourir. On a du mal à ensevelir notre vie passée. On a du mal à abandonner ce qui était avant. On a du mal à laisser bien les choses du monde, nous y reviendrons tout à l'heure. On a du mal, mais ce baptême est la condition pour nous de résurrection en Christ. Alléluia. Si nous voulons ressusciter avec Christ, il faut mourir en Christ. Il faut mourir avec lui. C'est cette circoncision-là. Le dépouillement de notre chair, le dépouillement de notre corps de mort, pour revêtir la résurrection. Et frères et sœurs, la vie de résurrection est une vie glorieuse. C'est la vie de Dieu. Alléluia. Et c'est cette vie que nous voulons vivre. D'où cette expression qui peut nous glacer ce soir. Vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est ce qui est écrit ici. Vous êtes mort. Vous êtes mort. Et c'est en Christ que nous vivons. C'est quoi être mort Eh bien, chers amis, il ne s'agit bien sûr pas de la mort physique. Il ne s'agit pas non plus de la mort que nous voudrons bien prendre. Il s'agit d'une mort complètement objective. Et ce sera la même mort pour chacun de nous. La mort du corps de notre chair doit être la mort que nous devons tous connaître pour chercher les choses d'en haut. Alors pour comprendre cette mort, comprenons la résurrection, comprenons les choses d'en haut que nous devons rechercher. Qu'est-ce que les choses d'en haut Qu'est-ce que les choses d'en haut si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il semblerait que eh bien, Paul déclare ici que ceux qui sont ressuscités avec Christ, ils cherchent des choses. Ils cherchent des choses qui ne sont pas ici bas, n'est-ce pas <laughs> Qui ne sont pas ici bas Quelles sont ces choses que l'on doit rechercher Quelles sont les choses qu'on ne doit plus rechercher Quelles sont les choses que nous devons rechercher Jésus va dire en Matthieu 6, verset 31 à 33, Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, Que mangerons-nous, Que boirons-nous, De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas ressuscités. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Il le sait. Cherchez premièrement le royaume. La justice de Dieu. Et toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, toutes ces choses, vous seront données par-dessus. Amen. Les choses d'en haut, c'est quoi Le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui sont ressuscités avec Christ cherchent premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas ressuscités avec Christ, cherchent premièrement le manger, le boire, le vêtement, les plaisirs. Mais pour ceux qui connaissent Christ, pour ceux qui ont saisi dans leur cœur qu'il y a un royaume auquel nous appartenons et que ce royaume va être établi à la fin de toutes choses, et pour ceux qui aspirent à l'établissement de ce royaume, qui aspirent à paraître avec Christ dans la gloire, ceux-là vivent non plus en cherchant eh bien, les choses d'en bas, parce qu'on sait que les choses d'en bas sont éphémères, n'est-ce pas Oui ou non On sait que les choses d'en bas, oui ou bas vont passer. Ainsi, frères, sœurs, il y a un royaume qui va venir. Alléluia. Et ceux qui partiront dans ce royaume qui durera pour l'éternité, ceux qui partiront dans ce royaume ne seront plus malades, ne seront plus tristes, ne connaîtront plus d'échecs. Il essuiera toutes larmes de nos yeux. Alléluia. Et il n'y aura plus toutes ces choses, tous ces dommages, tous ces malheurs que nous connaissons. Nous cherchons ce royaume. Nous marchons pour ce royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses. Si je dois résumer le royaume de Dieu et sa justice, je vais prendre le résumé que Jésus lui-même a fait des commandements. Le royaume de Dieu et sa justice, c'est quoi C'est aimer Dieu et son prochain. Alléluia.